Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Herméline Malherbe, la présidente du département qui vous accueille avec grand plaisir au Palais des Rois de Majorque, qui est d'abord un lieu de patrimoine, d'histoire et de visite, bien sûr, mais c'est un lieu qui vit. L'important de ce moment de parrainage aujourd'hui, c'est la rencontre entre vous, les jeunes qui sont soit en recherche de projet, soit en recherche d'emploi, soit de toute façon en travaillant sur votre propre projet de vie, qui passe souvent par le projet professionnel aussi. Et puis, ces employeurs, ces employeuses, ces parrains, ces marraines, qui sont là, qui sont à votre écoute, qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner quelques clés aussi, parce que dans la vie au quotidien, ben, c'est pas tout à fait la même chose dans le monde professionnel et dans la vie, j'allais dire, scolaire qu'on a quitté il y a plus ou moins longtemps. Alors moi, c'est Mauro Vincent, j'ai 20 ans, originaire de Lyon de base. Et je suis venu ici pour le parrainage avec la mission locale jeune. J'ai rencontré un patron, donc on a pu assez discuter, etc. Même si moi, de base, l'immobilier, c'est pas mon secteur favori. Il m'a dit qu'il saurait potentiellement faire marcher ses relations pour me dégoter un stage, ce qui pourrait être un tremplin au final pour un jeune. Au final, j'attends pas forcément de trouver un travail, etc., mais juste pourquoi pas de développer des connaissances, parce que vu que je connais pas grand monde ici, c'est assez important de connaître du monde pour arriver à ses fins. Et venir à la mission locale, moi je trouve ça vraiment, c'est une belle opportunité. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'ils ont peur de s'inscrire, etc. aussi. Il y a des gens qui sont assez timides et qui osent pas. Et vraiment, faut le faire et ça peut vous apporter que du bien. Voilà. Bon, je suis Quentin Martinez. Donc je dirige l'agence M à Perpignan, spécialisée dans les biens à la montagne, Cerdagne et Cap-Cyr. Donc je suis là ce matin pour essayer d'aider un petit peu les jeunes à trouver des stages et leur faire profiter de mon réseau. J'ai été contacté directement par la mission locale jeune. J'ai posé ma matinée pour être là. Et c'est un plaisir, donc c'est chouette. Belle initiative de la part de la MLJ. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais aux jeunes tout à l'heure, ce qui pêche un petit peu sur le département, c'est le réseau. Hein. Il faut, pour trouver un stage, un emploi, c'est pas évident. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, il demande qu'à apprendre et c'est génial. Donc on peut vraiment le former aux us et coutumes de l'entreprise et essayer de lui apporter donc toutes les connaissances utiles au métier exercé par l'entreprise. C'est pas parce qu'aujourd'hui un jeune n'a pas encore cette expérience face à un client, face à un patron, qui pourra pas par la suite en très peu de temps s'adapter à la vie professionnelle, à la vie en société. Voilà, pour ma part.